on train now. Midget launch adjusted promotion. Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 9 avril, premier jour au Vietnam, première vraie journée au Vietnam. J'ai atterri hier à Ho Chi Minh, mais j'étais tellement claqué que j'ai pas fait grand chose. J'ai fait quelques petites courses, je suis allé manger, je suis allé à la pharmacie parce que j'ai chopé la crève. Et ce qui s'est passé, c'est qu'hier j'ai pris l'avion avec un rhume et j'ai le nez complètement bouché jusqu'aux oreilles. Jusque là, c'est on va dire classique, sauf que bah, mon oreille elle s'est complètement bouchée. Donc c'est un peu bizarre, mais ça a son avantage parce qu'ici c'est ultra bruyant, il y a des scooters absolument partout. Comme on peut voir sur internet, hein, il y a zéro cliché, il y a énormément de scooters, c'est trop stylé. C'est marrant à voir et puis bah, pour traverser c'est toute une épreuve. Hier quand je suis arrivé à l'aéroport, donc comme d'hab je retire un petit peu de thunes. Je regarde pour des cartes SIM pas trop chères et au final donc je vais dans un distributeur, je retire un peu dessus. Il y avait un petit peu tous les chiffres d'affichés, mon application de conversion fonctionnait pas. Je me suis dit je reste un mois, allez je retire le maximum, je sais pas combien ça fait. Le maximum c'était 1,5 million de dong, ici c'est des dong. Donc je me suis dit bah écoute, j'espère que ça le fera pour tout le mois quoi, et puis si j'ai trop, bah et pire j'ai trop, c'est pas grave. Je retire 1,5 million, donc bah, ensuite je commence à me balader, je m'achète une bouteille d'eau. Déjà la bouteille d'eau, 20 000 dong ça me coûte. Je fais putain, ça va vite partir au final. Je regarde 1,5 million, ça fait 58 euros. Donc au final, bah, là j'ai payé l'hôtel hier soir et bah, j'ai déjà quasiment plus rien. Donc là j'ai retiré à nouveau, j'ai retiré 3 millions de dong. Ça fait beaucoup de billets. L'avantage ici, c'est qu'au moins, il n'y a pas de mitraille, il n'y a pas de pièces. Il n'y a que des billets. Il y a des billets de 500 000, 200 000, je crois que j'ai vu, 100 000. Ça va jusqu'à 1000. Donc 1000 dong. 1000 dong, je viens de regarder, ça fait même pas 5 centimes. Ce matin, je me suis pris un petit café parce qu'ils sont très café ici. Mais j'ai pas trouvé, enfin, dans le café, il n'y avait pas de quoi manger. Donc je sais pas ce qu'ils déjeunent ici. J'ai l'impression qu'ils déjeunent des soupes. Ou, on verra bien si je trouve quelque chose. Long holiday whole Vietnam. Whoa. You know, busy. Okay. Et la magnifique cathédrale Notre-Dame qui est en travaux. Super. Thank you.
C'est la sortie de Mario au cinéma. Oh wow. Bank old building. City Bank. Bank? Yeah, very old building. That apartment, you know? Petit café avec mon pote. J'étais en train de marcher tranquillement dans la rue en me dirigeant vers un parc et puis il y a un monsieur qui a commencé donc à me parler de la ville, de ce qu'il faisait avant, tout ça. On a beaucoup discuté. En gros, c'est un guide touristique en moto. Et d'habitude, je fais jamais ce genre de choses, mais là, on a bien discuté. Il avait l'air super gentil, tout ça. Il m'a dit pour 10 balles, je te fais le tour de la ville. Donc, bon, écoute, j'ai accepté. Et franchement, je suis pas déçu. Il m'emmène dans des endroits stylés. Là, on boit un café ensemble. Et, ensuite, il a dit qu'il m'emmènerait voir d'autres coins touristiques. Donc, trop stylé. Ça y est, la balade avec Monsieur Tang se termine. Donc on s'est baladé en scooter, on a visité plein de choses. Il s'est arrêté quand il y avait des endroits stylés. Et puis même quand il y avait même quand c'était des endroits où je voulais m'arrêter, hop, je lui tapais sur l'épaule et puis il s'arrêtait. Il m'a expliqué plein de choses, hein. Il a un très bon anglais et puis bah il parlait lentement donc j'ai pu comprendre. On est aussi allé dans un endroit pas très touristique. On a pris un petit café, c'est moi qui ai payé. Il m'a dit oh, c'est toi qui paye et tout. J'ai payé, je sais plus combien ça m'a coûté, mais que dalle quoi. Puis ensuite, on est allé manger dans un petit resto où j'ai mangé des cuisses de grenouille avec une petite bière. Et là, par contre, il me dit ouais, c'est toi qui paye encore. Je fais non, non. Bon, après, le gars est tenté, tu vois. J'ai dit non, non, on fait moitié-moitié, c'est bon. Donc c'est parfait. Puis là, il m'a déposé dans le musée de la guerre, donc c'est parti pour la visite. Mais non, c'est des chauves-souris. Bon, je sors du musée de la guerre du Vietnam. Donc le musée il se présente sur 3 étages. Tu commences en fait tout en haut avec les différents photographes de la guerre du Vietnam. Tous ceux qui ont pris les plus belles photos sont quasiment tous morts pendant cette guerre qui a duré 17 ans. Je savais pas que ça avait duré aussi longtemps. Une guerre atroce, hein, comme toutes les autres, j'ai l'impression. Et on a pu voir donc pas mal de bavures américaines, hein. Bravo, encore une fois, les Amerlocs qui se mêlent de tout. Et des photos vraiment, vraiment salaces. Quasiment tout le deuxième étage est basé sur tout ce qui est bavures américaines, les massacres, les génocides de civils et compagnie. Oh, il est chaud quand même comme musée, faut s'accrocher. Et puis toutes les technologies aussi utilisées et inventées pour cette guerre, hein, vraiment. Ils ont été ingénieux, hein. Le napalm, le gaz orange, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Qui était à la base utilisé donc pour désherber et faire de la place pour les avions, les hélicoptères et puis même pour les troupes au sol qui au final tuent absolument tout, les plantes, les animaux et bah, les civils du coup sur plusieurs générations avec tout un tas de cancers et compagnie.
un petit peu les mêmes effets que la radioactivité, donc champion. Ça devait être une sacrée guerre dégueulasse quand même. Donc là, le but de la manœuvre, c'est de traverser, d'aller sur le trottoir d'en face. Le seul problème, c'est qu'ici, il n'y a pas de feu et personne ne te laisse passer. Oh putain, j'avais une occasion là. Oh, j'aurais dû y aller. Oh. Maintenant. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Oui. Les lézards, il avait une tête bleue. Trop stylé. Je viens de faire un match avec eux, je suis trempé. Sous 36 degrés. Le coach, il m'a appris à jouer. Il m'a même appris des figures genre chicken wings et tout. C'est balancer le fou volant sur le côté. Il m'a dit, ouais, tu te démerdes super bien. Pourtant, j'ai dit, je suis vraiment une teub au foot. Enfin, j'ai pas dit comme ça, mais voilà quoi. Il est vraiment cool ce petit parc. Je sais pas si c'est parce que c'est dimanche ou pas, mais les gens courent, les gens marchent, les gens font de l'exercice. Il y a même du badminton, le fameux sport que j'ai essayé tout à l'heure, là je sais même pas comment ça s'appelle, avec le fameux volant au pied. Il y a même des gens qui font de la guitare, de la flûte, les gens sortent en famille avec leurs enfants. Non, c'est très sympa ce parc. Il y a même une professeure avec ses élèves qui sont venus me voir pour discuter un petit peu en anglais. C'était trop mignon. J'en connais une qui se serait pété la cheville au moins 15 fois sur cette rue. Je sais où je prends mon petit déj demain, Paris Baguette. La place de l'Étoile à côté, c'est de la merde. Regarde-moi ce bordel. Beauté du restaurant quoi. Bon, je suis rentré un petit peu plus tôt pour réserver un petit peu la suite du périple. Et du coup, je me suis dit, ouais, je vais prendre les bus de nuit et tout, ça coûte moins cher. Et là, il y a un bus là que j'étais en train de réserver. Et ben, en fait, pour rejoindre les deux villes, il faut faire 18 heures de bus. De toute façon, ils disent qu'il n'y a pas 36 solutions pour faire ce trajet là. C'est soit le bus, soit l'avion. Le bus me coûte 25 balles pour faire 18 heures. Et l'avion, bah, ça m'a coûté 60 euros parce que bah, voilà, j'ai déjà acheté et ça me prend une heure seulement. Donc bah, voilà, nique la planète, hein, tant pis.